Salut la famille. Salut mes petites mouches. On va faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui parce qu'on est à la maison et il pleut encore à Londres. Et j'ai commandé ça en ligne, cette petite machine qui devrait être assez drôle. Et je me suis dit pourquoi pas rigoler un peu avec le français de colle. Alors, je t'explique. Cette machine, c'est une machine, tu mets ta main dedans comme ça et ça t'électrocute. Si au bout d'un moment, c'est la théorie. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais demander des questions à colle. Merci. Cole va me demander des questions. Donc, c'est Cole va devoir essayer de comprendre ce que je lui demande et répondre. Et moi, je vais essayer de devoir comprendre ce que Cole me demande et répondre. Dès qu'on a répondu deux questions correctes, on va switcher. Donc, c'est à moi de répondre aux questions. Je mets ma main là. À chaque fois que j'ai une question fausse, je dois la laisser. Donc, du coup, je vais me faire électrocuter le plus longtemps que j'ai ma main dans le truc. Dès que j'ai répondu deux questions correctes, on switch et c'est lui qui se met dans le siège électrocuté. Ok ? C'est bon ? Est-ce qu'on a tous compris ? Je sais pas si c'était clair, on va essayer ça, ça sera par rapport aux voitures, par rapport à la vie personnelle, on verra et on devrait bien rigoler. Par contre, aucun d'entre nous a déjà mis notre main là-dedans et a déjà senti ce que ça fait, donc ça va être assez intéressant. Pour commencer, une pièce, tu veux l'aigle ou le visage? Oui, merci. Lequel? Ah oui, la tête. La tête, c'est parti. Et après, tu choisis lequel tu veux faire en premier. C'est la tête. Et c'est ça. You want to ask questions or put your hand? Oui, je questions. Questions, ok. Oui. Non! Alors. Ah, j'ai pas envie de faire ça. La question première. Attends, faut que tu mettes, you need to strap me in. Pour ma petite jambon. C'est bon? Oui, attends, on met le truc au max, non? Ok, c'est niveau 4. Quand t'as fini la question, oui. Tu appuies sur ça. Oui, quand, d'accord. When you finished. D'accord. Okay. Alors, tu vas bien? Oui. Ok. Quel est le prénom de Monsieur Porsche? Ferdinand. Ah. Yeah. C'est bon. Okay. Yay! Okay. Yes! Et... Une question. C'est bon. Je suis chaud, je suis chaud, je suis prêt. Combien de secondes pour une LaFerrari? 0 de 100. 2 secondes 9. 2 9. I don't know, is it? No! 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 Ah! 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 C'est bon? Mais faut que t'aies la réponse! Ah oui! Mais c'est quoi la réponse? Oui! Ah! Faut que je regarde. 0 à 100, LaFerrari. 2 secondes 9. Ah oui? Hey! Allez, c'est à toi. D'accord, d'accord. C'est à toi. Regardez les gars, juste pour vous montrer, pour être 100% correct, là, 2 secondes 9, la Ferrari. Voilà. Ok, ok, ok. Et ok. Ok. Et ok. 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 Et ok. Alors. Alors, ah oui, il me faut ça. Oh là là. Mets ta main. C'est très beaucoup. Non. Ah ok. Non, c'est tranquille. T'es prêt? Oh non. Non. Ah ok. Question numéro 1. Ok. Je ne comprends français. Combien de M3 as-tu eu? As-tu eu? Que? De quoi? Combien de M3 as-tu eu? Ah, deux. Yeah. Ok. As-tu eu? Qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Ok. Le vainqueur du Grand Prix de Monaco. Le vainqueur du Grand Prix de Monaco. Vainqueur. Je ne comprends pas! 300? Qu'est-ce que c'est? Le vainqueur du Grand Prix de Monaco. 20 pilotes, la personne qui a fini avant tous les autres. Il n'y avait personne derrière lui. Je ne comprends pas. C'est... Non, ce n'est pas bien. C'est horrible, hein. Oh oui. Oh. Ouais. Oh, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que c'est? Donald Trump Bianca? Je ne comprends rien. Bianca, who won the Monaco Grand Prix? Ah, Lewis Hamilton. Voilà. Oh. It's bad, hein? Yeah, it's horrible. It's like it goes all the way up. Après, une autre question trivia. Je pense. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde?
Je ne comprends pas. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. The... Ok. Le France. Ah le France. Yes. Ok, mais là, yes. Quel drapeau est agité pour commencer la cause des 20-30 heures du Mans? Le drapeau de Damien. Le drapeau de la France. Ah oui. Yes. Ah plutôt. C'était le drapeau les 24 heures du Mans. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe? Bonjour. C'est explosé. Ah ok. Ok. Ouh, j'ai tellement pas envie de faire ça. Oui. Dans quelle ville européenne se trouvait le siège du groupe Volvo? Finlande, Helsinki, Suède, ah, Stockholm. Ne sais pas. Non, bah non, 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 mais si tu sais pas, je vais pas laisser maman. Il faut que tu aies la réponse. Oui, je. Le mec, il me demande une question et après il sait pas. En gros, t'attends juste que je me fasse électrocuter. C'était vous? Ok. Est-ce que j'ai répondu, did I answer right? Non. Ah. C'était quoi? Dans quel siège se trouve de Volvo? Oui, quelle ville européenne de trouver le siège du groupe Volvo? Comment je suis supposé savoir ça? Paris, Amsterdam, non. Oslo. Non. Gothenburg. Gothenburg. Genre, j'ai trouvé Gothenburg. Ah, c'est horrible. Oui. Non. Trebons. Ah, je le sens encore. Oui. Ok. Beaucoup de questions pour Seb. Alors. Venez m'aider, s'il vous plaît. Ok. Quelle était la voiture à plus fondu au Royaume-Uni en 2016? Golf. Non. Astra. Non. Je sais pas. Non. J'ai aucune idée. Shit. You need to hold it on there. I can't. You need to take it. Qu'est-ce que c'est sur l'abréviation automobile couramment utilisée ABS? Je sais pas. Non. Je peux pas. ABS. Auto. Aucune idée. Le truc, il est reparti. Il est parti en vacances. Hein. Désolé, les gars. You need to put it on there. There's no way I'm gonna know that. Answer. ABS, it's an international thing. Everyone knows it. No way. I'm just gonna get buzzed. Hang on, let me just find the answer. Ah! Ok. Dans quelle ville italienne le siège de Fiat se trouvait? Turin. C'est Turin. Mais je sais que c'est Turin. Oui. Ben voilà. Hey! Yes! Ah! Ok. Ma petite jambon. La question pour toi. Vitesse maximale d'une Bugatti Veyron en kilomètres. Ça, c'est pour ta question d'ABS. 300... je ne sais pas. Oh, c'est horrible. Non. Oh. Eh oui. Qu'est-ce, combien? C'est 407. Ah oui. Ah oui. Mais t'étais loin, je confirme. Ok. T'habites tout seul ou en coloc? Qui est? Qu'est-ce que c'est coloc? T'habites tout seul ou en coloc? Tout seul? Oui, bien. Ah! Oh!
combien de temps j'ai été avec Talia? Six mots? Non. Sept mots? Non. Huit mois. Oh, c'est Trey! Ouais, t'étais pas loin, ouais. Poupo! Ouais? Close. C'est très doucement pour moi, parce que je ne comprends, je comprends et... J'en ai une facile. Ok. Très facile. Ok. Combien y a-t-il de SLS Black Series dans le monde? On en parlait l'autre jour. 100? Non. 18 heures? Je ne sais pas. Non. I forgot completely how many. Ah, Barken. Combien? Faut remettre. Plus que 100. 300? Non, moins. 200? Non, moins. Moins? Non! Moins. Ça le fait à chaque fois là. Chaque fois. Ok, 150. 150. 150. Ouais. In the world. In the world. I forgot about that. Eh ouais. Oh. Ok, mes voisins, ils doivent se dire qu'est-ce qui se passe là, t'imagines? Ah bah voilà, ils sont là les voisins. Tu es un bébé? Es-tu? Oui, c'est moi. Célibataire ou en couple? Célibataire ou en couple? Non. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne comprends. Du coup, je t'ai déjà donné. Ah! Non! Pourquoi c'est moi? Je ne parle français et ce n'est pas fait. Ok, on va faire la outro là. Abonnez-toi. Attends. Ah, ok. Ok, les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous. À très bientôt. On se voit demain. Et voilà.